Salut tout le monde, bienvenue dans un autre vlog de Calou. Ce week-end, nous fêtons la belle Chelsea Doody. Bonjour. Tu as quel âge? 6 ans. 6 ans, c'était quand ta fête? Hier. Puis là, tu es avec nous aujourd'hui. Oui. Puis on commence ta fête. Oui. Fait que là, on joue, on attend que papa se réveille. Mamou, après, elle s'en vient. Je vais ouvrir un cadeau. Oui, tu vas ouvrir ton cadeau de papa, puis moi, puis Ruby. Puis après ça, demain, on s'en va. Wouhou! Oui, exactement. On s'en va à une place qui s'appelle Wouhou, où elle va pouvoir jouer avec une amie. Puis il va avoir. Ouais, puis il va avoir du gâteau. Du gâteau, ça colle, je pense. Ouais, puis demain, on va faire des cupcakes pour dimanche, parce que dimanche, on va faire un... Un brunch. Un brunch. Ouais, on va faire un brunch ici dehors dans la cour avec tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Tu vas pouvoir manger des cupcakes, des saucisses, des patates, des cocos. Puis tu vas pouvoir avoir tes cadeaux de ta famille. Des saucisses. Oui, bien sûr, j'ai dit saucisses en premier, ma chérie. Ah. Chelsea, c'est une amoureuse des saucisses. Moi, je vais me marier avec un pied. Un pied? Oui. Pourquoi un pied? C'est bon. C'est bon, un pied? Oui. T'as des drôles de souhaits, ma chatte. Mais c'est pas vrai, je vais me marier. Avec, avec un autre. Un autre? Une autre personne? Oui. Bon, c'est parfait, ça. Fait que Chelsea, a.k.a. Chuchi, parce que nous, on t'appelle Chuchi ou Chuchina. Dis-moi, c'est quoi ton repas préféré, le déjeuner, le dîner ou le souper? Le souper. Le souper. C'est quoi que tu aimes manger? Des brocolis avec des pâtes. Ouais. Les brocolis un petit peu moins, mais t'aimes les pâtes. Oui. Puis, c'est 30 en quelle année cette année? En première année. Oh là là, Ruby, tu veux du lait? Bon, on va me cacher les tontons. puis, c'est quoi ton émission préférée? Blippi. Blippi. Puis, c'est quoi ton jeu préféré? Parce que t'aimes ça, jouer des jeux vidéo. Oui, Blippi, Blippi. Mes jeux à moi dans ma Switch. Comme Dracula. Mario. Mario. Bob l'éponge. Bob l'éponge. C'est ça. Oui, Ruby, elle va écouter Blippi parce qu'on a dit Blippi maintenant. Donc, on se reparle plus tard. Bye! Ok, là, elle a manqué de papier. C'est pour ça qu'il est emballé drôlement. Mais... C'est ça que tu voulais! Ouais! Hey. Merci! Ok, là, puis papa, on écoute. T'es content? Merci beaucoup! Le temps d'aller les essayer? Ils sont trop cool! Ouais. Merci! Ça fait plaisir, ma chouette! Tu vas pouvoir aller les essayer dehors. C'est quel que tu vas conduire en premier? Je penserai à Jessie. Ouais. Donc, il est 8 h le soir. Je vais en coucher Ruby. Ruby, elle s'est réveillée plus tard de sa sieste. C'est pour ça qu'elle dort pas encore, mais Chelsea dort depuis un bout. Mais demain, c'est la journée qu'on va aller à la place de jeu. Puis, on va faire nos cupcakes demain matin avant qu'on part. Puis, quand on revient, on va les glacer. Puis, mettre des petits bonbons dessus. Fait qu'elle va avoir ses petits cupcakes pour le brunch. À la place, Wouhou pour sa fête. Ça inclut l'entrée pour 5 enfants, 2 adultes. Ça inclut aussi un gâteau. Fait qu'on n'a pas besoin de faire le gâteau. Puis, ça inclut aussi des jus puis du popcorn. Puis moi, j'ai comme commandé des décorations qu'on va décorer la table là-bas. Je vous montre ça, je vais juste vous déposer parce que c'est dans un sac. Je vais pas ouvrir le sac, mais c'est des thèmes Mario parce que comme vous avez vu son cadeau qu'elle a eu, c'est ça qu'elle aime en ce moment. Il y a des ballons avec des petits dessins Mario tout ça. Je l'avais pogné sur Amazon, je pense, pour une vingtaine de pièces. Fait que ça va être bien fun. Donc, je vais coucher Ruby et on se voit demain matin. Bon matin! Donc, on est samedi. On est allé jouer dehors. Il faut vraiment que je passe mes cheveux. Je viens de voir, j'ai un gros nœud.
On va bientôt faire les cupcakes. Puis sinon, au fond, d'habitude, Ruby adore à 1 h, mais l'activité est à 1 h. Fait que je vais essayer de la coucher à 11 h, voir si elle fait une sieste. Si oui, yeah. Si elle fait pas de sieste, on va y aller à 2 h, puis moi, je vais partir comme à 2 h pour la faire dormir. Parce que c'est sûr qu'elle peut pas sauter une sieste. Là. On a déjà fait ça une fois par juste parce qu'elle voulait pas dormir, puis la nuit était l'enfer. Sur une bonne nouvelle, hier, Ruby, elle a dormi genre straight de 8 à 5 le matin. Après ça, j'étais allée le rejoindre, fait qu'elle commence vraiment à mieux dormir. Oui, mademoiselle est contente de ses jouets, fait qu'elle a eu son Mario. Puis elle l'a utilisé hier, elle a eu bien du plaisir. J'ai envie de dire plaisir puis plaisir en même temps, c'est même bizarre. Les manettes, puis tu montes Yoshi. Puis elle a eu son Yoshi. Donc, on va faire les cupcakes super. Yes! Puis elle est dans une phase rouge à lèvres, là. C'est pas nous qui l'a maquillée, là. C'est, elle est partie là-dessus. Mais là, j'y ai dit, elle n'a pas le droit d'en remettre jusqu'à quand on part parce que là, elle veut en mettre aux 2 minutes. Donc, c'est ça. Peace. T'as-tu hâte d'aller au Woohoo? Oui! Woohoo! Ruby, elle a dit Woohoo! Ouais, finalement, on va faire les cupcakes après parce qu'on n'a pas eu le temps ce matin. J'ai essayé de coucher Ruby, ça n'a pas marché. Fait que là, on va y aller à 2 autos pour que moi, je puisse partir plus tôt pour la faire dormir. Cette tante-là va y aller avec son papa. Hein, madame? Hein? Le. T'as hâte de jouer? Oui! Ça fait assez longtemps que tu nous demandes d'aller là, hein? Oui. Hey, t'as des drôles de face, ma petite tante. Après ça, on va revenir. Puis on va faire le beau ménage de ce salon, de cette cuisine. Pour que demain, quand on a des invités puis qu'ils viennent nous faire pipi aux toilettes, ben ils disent pas, hé là là, c'est le bordel ici. Hein? Mm. Fait que Chuchi va m'aider. Après qu'on fait les cupcakes, tu vas m'aider à faire le ménage, madame? Oui! Pendant que papa, il coupe le gazon? Oui! 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 Moi puis Ruby, on est revenu un peu plus tôt parce que Ruby, fallait qu'elle dorme. Puis là, mon mari puis Chelsea vont arriver bientôt. Vous avez vu des petits clips. C'est sûr qu'il y a plus de clips de Ruby parce que moi, j'étais avec Ruby dans les plus petites places, mettons. Puis Chelsea était dans les plus grandes places avec ses amis puis avec sa maman. Mais elle a eu bien du fun. Puis Ruby était vraiment casse-cou à monter. Elle a fait à monter tous les étages. On a fait la grosse glissade, fait que ils ont eu bien du plaisir, puis là, je pense qu'on va pas faire de cupcakes finalement parce que ils ont eu un gâteau à la place, puis genre apparemment qu'il en reste beaucoup, fait que je pense qu'on va juste réutiliser ce gâteau-là demain vu que c'est un brunch. Je suis pas sûre que grand monde va manger du gâteau anyway. Pis ce soir, on va manger une pizza délicieuse que j'ai au congélateur avec des frites, puis c'est ça. Après ça, faut que je torche la maison. Là, je viens de faire la donc on appelle ça l'effaceur magique, là, Magic Eraser, sur toutes mes armoires blanches parce qu'il était comme taché, mettons. Puis j'ai fait le comptoir, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait le lavage. Puis là, il va me rester à faire la valeuse quand que mon mari arrive puis qu'il m'aide à ranger le salon. Donc, on se prépare pour demain. Hello! Allô, bébé! Coucou!
Bye bye, Ruby. Maintenant, c'est moi. Salut tout le monde! Jour 3 de la festivité de la fête de Ruby. Il est 8h30 du matin, le monde n'arrive pas avant 10h, mais moi je suis habillée. Chelsea est habillée. Ruby est habillée. Fait que tout le monde est belle et prête pour la visite. Je vais vous montrer un petit peu dehors ce que j'ai accroché pour sur la banderole avec le thème de Mario. Puis quand mon mari a fini de faire le gazon, on va aussi mettre sa petite pancarte que j'ai eue au Dollarama l'autre jour. Puis c'est ça, finalement, on a eu un gâteau au Wouhou hier, puis il en restait, fait que j'ai pas fait des cupcakes. Je vais vous montrer. Donc ça venait avec un gâteau comme ça, puis il en reste quand même pas mal. Puis vu qu'on va bruncher, je suis pas sûre qu'il y a grand monde qui va manger du gâteau anyway. Donc ça va faire la job. Fait que j'ai mis cette petite banderole de Super Mario aussi. Puis là, mon père, il arrive à 9h30. On va clairer ce qu'il y a ici. On va mettre deux tables avec le genre de tente par-dessus. Puis on va avoir une autre petite table qui va être la station toast et café pour que tout le monde puisse se servir. Je vais demander au monde si d'amener leurs chaises parce que j'en ai juste 6 puis je pense qu'on va être 13 total. Mais c'est ça. Je suis en train de partir la bouffe pour les saucisses. J'ai pris les saucisses comme ça à Walmart. Ils sont super bonnes puis t'en as 28 pour 9. Ça fait que ça vaut la peine. Puis j'ai aussi des patates comme ça, là, la marque McCain. J'aurais pris la marque sans nom du Maxi, mais il n'y en avait plus. Fait que je vais mettre ça au four, puis c'est mon mari qui va faire les œufs bouillis parce qu'il fait les meilleurs œufs bouillis. Tu vas aller par terre, bébé? Oh, elle s'est achetée déjà par le petit peu qu'elle a vu. C'est quoi que c'est? Elle dit Mario. Mario! She didn't earn our return. Mario! Ben, elle me l'avait demandé quand on était au Walmart. Ouais. On est en train de récupérer. Chelsea est partie chez sa maman pour sa fête chez elle. Elle va revenir ce soir pour le reste de notre semaine avec elle. Mais elle a eu du gros plaisir, des beaux cadeaux. Si vous voulez, je peux vous les montrer. Bon, fait comme vous avez vu, elle a eu ses petits auto-ateliers que moi puis mon mari on lui a donné. Puis elle a aussi eu un jeu de ses amis, un jeu de société. Sinon, c'est d'autres choses qu'elle m'avait montré quand on est allé au Walmart. Fait qu'elle a eu sa couverte Mario comme ça. Elle est super cool parce qu'elle est réversible, ça vient avec les têtes d'oreiller. Fait que ça, on l'avait vu au Walmart, je pense qu'elle coûtait 59$. Elle a eu des walkie-talkie comme ça. Ceux-là aussi, je les avais vus au Walmart, mais ma belle-mère les a pris au Toys R Us. C'est environ 40$. Ça, c'est toutes des choses qu'elle voulait. Elle a eu un Lego. C'est genre la seule affaire qu'on dirait fille dans son rôle, mais un petit Lego comme ça de chien-chien avec un spa pour laver les chiens. Fait qu'elle va pouvoir bâtir ça avec mon mari parce que moi, je suis pourrie au Lego. Elle a eu des petits crayons comme ça pour l'école. Elle a eu ce jeu-là qui a l'air vraiment cool. Ça s'appelle Shaky Tower. C'est un jeu de Mario. Fait qu'on va pouvoir jouer avec elle. Puis ça joue à 4 ans et plus, 2 à 4 personnes. Fait que c'est parfait pour notre famille. On a hâte d'essayer ça. On l'a trouvé au Walmart. Elle a aussi eu un jeu d'échecs comme ça de Mario Bowser, Super Mario. Ça aussi, ma belle-mère, elle l'a trouvé au Walmart. Elle a eu des petites effaces comme ça pour l'école. Puis elle a aussi eu un coton watté comme ça qui va être pour l'école. J'avais demandé justement un hoodie bien simple, zip, qu'elle va pas. Oh, excusez-moi, bien, j'ai fait quelque chose. Pour l'école. Puis sinon, sa marraine va la porter au cinéma aussi pour une sortie. Sur ce, je vais terminer le vlog parce que c'est ça, il faut que je fasse le ménage. J'ai tout rentré de dehors, mais tout est encore sur ma table. Fait que je dois clencher, mais c'est ça. J'espère que vous avez aimé célébrer la fête de Chelsea avec nous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé et on se voit une prochaine fois. Bye!